Ja, ik denk dat, dat we een hele goede match, een deftige match hebben gespeeld. En niet zomaar met één puntje komen winnen, maar toch nog met een dikke 15 punten. En dat is wel de manier waarop dat we wilden winnen. Vous terminez premier d'un groupe avec la Belarus, avec Pologne, c'est quand même deux grosses nations européennes. Ça veut dire aussi quelque chose? Ja, ik herinner me nog een paar jaar geleden dat we tegen Polen hebben gespeeld en dat we verloren hebben met 20. Dus, en ook Wit-Rusland vorige in februari hebben we ook verloren. Dus ik denk dat dat wel een mooie evolutie toont van de Belgian Cats. Le plus dur avait été fait samedi contre la Belarus. Quel est le sentiment maintenant, une fois que c'est fait et c'est dans la poche? Ja, het is wel een heel goed gevoel. Ik denk nog niet goed dat ik besef wat dat nu eigenlijk, of waar dat we nu eigenlijk naartoe gaan. Ja, het is de eerste keer en ja, dat is wel allemaal een beetje spannend. Oui, voilà, on est qualifié, on est premier du groupe G, c'est vraiment superbe. Et je pense que tout le monde y a mis la patte aujourd'hui. Toute l'équipe a pu jouer, donc c'est vraiment chouette. C'est vrai, comme vous dites, premier d'un groupe avec la Belarus, la Pologne, c'est quand même deux bonnes nations européennes, ça veut dire aussi quelque chose? Oui, je pense que voilà, il est temps de vraiment prendre la Belgique au sérieux. Être première du groupe, c'était au début pas notre objectif, mais au fur et à mesure, avec l'équipe qui s'est construite, ben, voilà, on est au top du groupe. Voilà, maintenant, on va savourer cette victoire tout en restant les pieds sur terre. De nouveau à l'Euro 10 ans après, pour vous aussi, puisque vous étiez en 2007 à Chieti. Oui, c'est ce qu'on disait avec Anne. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on se retrouve encore au championnat d'Europe ensemble et c'est très bien pour nous, enfin pour elle comme pour moi, quoi. Contre qui vous rêvez de jouer au championnat d'Europe? Moi, je rêve d'être dans le groupe de la France. De la France, voilà. La 61-77, c'est la qualification avec la manière aussi, on a envie de dire. Ja, dat is wel een leuke match, maar een beetje moeilijk en zeer agressief. Maar ik denk dat we een deftige match hebben gespeeld en dat we allemaal heel tevreden mogen zijn. Het is niet 100% zeker dat we naar het EK mogen. Dus ik denk dat iedereen super blij is nu. C'est vrai que c'était presque sûr après la victoire contre la Belarus. Ici, c'est vraiment être premier du groupe avec des pays comme la Belarus, Pologne, qui sont des valeurs sûres européennes. Ça veut dire quelque chose aussi. Ja, ik denk het wel. Als we die ploeg zien, als we daar tegen spelen, dat is natuurlijk altijd een moeilijke ploeg. Maar ik denk nu naar TK, natuurlijk gaan altijd andere matchen zijn. Maar gelijk tegen Belarus was nog niet 100% zeker, maar nu echt wel. Dus ik denk dat we nu pas echt kunnen vieren en zeker zijn dat we naar TK mogen. On a vu contre la Belarus que le banc avait déjà beaucoup apporté. Ici aussi, tout le monde a joué. C'est quand même encore une victoire de 16 points. Ça veut dire aussi quelque chose? Ja, ik denk als ploeg dat we heel sterk zijn. En zowel de bank als de starting five kan eigenlijk iets brengen. En ik denk dat de bank inderdaad altijd voor verrassingen kan zorgen. En dat is altijd de sterkte van de ploeg ook natuurlijk, als de bank ook iets kan brengen. En ik denk dat dat de sterkte is van ons team op deze moment, dat iedereen wel iets kan brengen. Vous rêvez de jouer contre qui à l'Euro? Niet echt direct al iemand. Ik denk dat we gewoon grote ploegen gaan hebben. Voor mij gaat elke match op TK gewoon super zijn. Zolang ik in de ploeg ben ik super blij. En als ik iets kan bijdragen aan de ploeg, dan is het goed tegen wie. Als het niet Spanje of Frankrijk is, denk ik dat het gewoon super gaat zijn als we daar gaan staan.